Aujourd'hui, on parle de jouets. Alors, OK, ils ne sont pas tout neufs, mais ils sont tout mignons et tout réparés. Alors, c'est vrai, pourquoi ne pas acheter d'occasion quand on sait que la durée d'utilisation d'un jouet est en moyenne de 8 mois? Ou proposer une plateforme d'achat-revente de jouets? Théodore Chastel, bonjour. Bonjour, Noémie. Vous êtes cofondateur de la plateforme Le Tricycle. À 32 ans, c'est déjà votre troisième aventure entrepreneuriale. C'est beaucoup moins cher qu'un jouet neuf? Tout à fait. En moyenne, les jouets sont vendus 50% moins cher qu'un jouet neuf. Et ça peut aller jusqu'à 70-80%. Alors, l'ambition, c'est sans doute d'être un peu le Vinted du jouet. Et vous êtes tout seul sur ce créneau du jouet d'occasion, reconditionné, remis en état? Alors, nous, on est sur un modèle un peu différent que le modèle Vinted. Parce que sur Vinted, vous pouvez aussi trouver des jouets. Nous, on est vraiment une plateforme d'achat-revente. Donc, on vient faciliter l'expérience à la fois pour les vendeurs et pour les acheteurs. Pour les vendeurs, on va proposer aux parents alors en Île-de-France, on va faire de la collecte à domicile en vélo cargo, donc très pratique, très rapide et pas de prise de tête avec des dizaines de colis à préparer, des dizaines de négociations à faire avec des potentiels acheteurs. Et côté achat, on va avoir une expérience qui va être digne de celle du neuf. Ça va être à la fois côté navigation pour trouver le jouet qu'on cherche, mais ça va être aussi derrière avec le service après-vente, la certification que le jouet va être de qualité, nettoyé et reconditionné. Et alors, ces jouets, vous avez dit, vous les récoltez auprès de parents, mais est-ce que vous visez aussi le marché des entreprises, des fabricants de jouets? Tout à fait. Vider les stocks, ce genre de... Tout à fait. C'est vraiment une piste de développement pour nous. On a envie d'embarquer toute la filière du jouet avec nous dans cette aventure.